Laisse-le. Votre colère est justifiée, madame. Mais c'est aussi important. Il sera infecté. Pourquoi es-tu tellement têtu? Toi aussi. Tu es en compétition avec moi? Je ne suis pas en compétition. Je suis juste têtu. Et tout va bien. Je suis têtu avec toi. Parce que tu m'écoutes toujours. Je ne peux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça ne semble pas bien. Ne sois pas si têtu alors. D'accord. Vous réduisez votre colère. Et moi, mon entêtement. Si je me calme, ce domaine va s'effondrer. Les gens vont tout piller. Et alors? Ce n'est qu'une propriété après tout. Après notre mort, il restera ici. N'est-il pas mieux de vivre avec bonheur? Avec amour. Les gens me disaient. On devient lâche après avoir été instruit. Mais je n'étais pas d'accord. Maintenant, je pense qu'il avait raison. Je n'aurais pas dû t'envoyer étudier. Je ne suis pas un lâche. Et l'éducation ne fait pas de quelqu'un un lâche. Cela vous donne une prise de conscience. Cela vous éclaire sur ce qui est bien et ce qui ne va pas. Que veux-tu? Que je devrais prendre un pistolet, défoncer la porte de la maison de quelqu'un et entrer par effraction? Alors, devrais-je harceler leurs femmes et effrayer leurs enfants? Alors tu diras. Mon fils est très courageux. Ou peut-être penserez-vous, je l'ai envoyé à l'école avec tant d'amour. Et il est revenu aussi ignorant que jamais. Si tu penses, en utilisant des divagations poétiques, tu peux me convaincre de l'école et de l'université. Tu penses mal. Je ne suis pas venu ici pour te parler d'école ou de collège. Alors, ne traite pas la fille de manière tyrannique. Tu l'as amenée ici comme ta belle-fille. Alors donne-lui ce statut.